Willy Romilly. Alors, cher Maxime Le Forestier, merci de ce très bel album. Alors, on l'a dit, hein, vous l'avez appelé cadeau. Et ma foi, c'est un joli cadeau, parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, quand on offre des cadeaux, on dit « ouais, c'est le geste qui compte ». Une phrase souvent annonciatrice d'un cadeau tout pourri, mais là, Maxime, ce n'est pas le cas, c'est un vrai beau cadeau. Hein. D'ailleurs, vous l'avez appelé « cadeau », cet album, vous ne l'avez pas appelé « c'est le geste qui compte ». Généralement, quand on te dit « c'est le geste qui compte », ça signifie « je t'ai offert une bonne petite merdouille ». Parce que généralement, quand on offre une bague en diamant, c'est rare qu'on dise « tu verras, c'est le geste qui compte ». Moi déjà, quand on m'offre un paquet et qu'on me dit « bon bah tu verras, c'est pas grand-chose », je l'ouvre même pas. Hein. En plus, généralement, la phrase que je dis quand j'ai pas envie de coucher avec quelqu'un, dès qu'on pose la main sur le caleçon, là je vais dire « oh bah tu verras, c'est pas grand-chose ». Mais généralement, tout le monde se barre. Non. C'est très chic, ça. Ben oui, toujours. Ben j'ai pas changé. Non, hein. Lundi, ah, pas jusqu'au bout, lundi, 10h07. Hein. Mais à part votre cadeau, Maxime, je n'aime pas les cadeaux. Je vais pas vous mentir. Ah, il y en a certains, faut faire attention. Moi, le nombre de bougies parfumées que je me suis reçues, ça veut dire quoi? Que chez moi, ça fouette? Oui, avec Steph, l'autre soir, on s'est dit, dis donc, qu'est-ce que ça pue chez Willy? Alors, tiens, allume-la vite. Non, les petites crottes de chez So ou de chez la Carterie, ça devrait être interdit. Hein. L'autre jour, j'ai un pote qui habite à la campagne et qui m'a offert un petit oiseau en plâtre. Et quand tu passes devant, tu entends. Voilà, ça te rappellera la campagne. Et que c'est dans toute pourrie là. Moi je vais vous faire un petit truc en plâtre avec le bruit d'une fraise. Voilà, ça te rappellera d'aller chez le dentiste. Chico va. Tu crois qu'ils font la même chose? Ça, c'est très chicot. Oui, bah, ça, oui, c'est très chicot. Et sans les gypsies, bien sûr. Tu crois qu'ils font la même chose pour ceux qui habitent à la campagne? On leur offre une petite bagnole et dès que tu passes devant, tu entends... Et avant, ces connards. Voilà, ça te rappellera les embouteillages. Et avant, ces connards. C'est dans les magasins Naturalia. Je ne sais pas si vous y allez un petit peu, Maxime. Non. Jamais. Mais dites oui, comme ça, moi, ça m'arrange pour la suite. Oui, oui, voilà. Moi, j'y vais souvent. Vous savez que dans les magasins Naturalia, ils vendent des petites statuettes de grenouilles. Mmh. Bah, vous le savez, Maxime, oh, puisque vous y alliez toujours. Basé sur le même principe, c'est tu passes devant à la caisse, qui sont en vente à la caisse avec les petits gamins toute la journée quand ils passent devant. Maman, regarde, regarde, c'est rigolo. Et la caissière, oui, c'est un détecteur de mouvement. C'est drôle ça. Maman, regarde. Voilà, bon bah tu vas arrêter, petit con, sinon tu vas bien détecter le mouvement de ma main dans ta gueule. Non, Maxime, sur ce coup-là, vous n'avez fait aucune faute de goût. J'ai beau regarder, vous nous avez offert un vrai beau cadeau avec des chansons engagées sur la crise ou sur les sans-papiers. Vous êtes parfait. C'est pas comme Sephora qui m'a envoyé un truc là pour la fête des mères et qui me propose d'offrir à la mienne un soin complet du visage en tite interne. Tu me vois dire à ma... Anti-tinterne. Tu me vois dire à ma mère, bonne fête maman, comme tu m'as l'air sacrément ravagée, voilà ton cadeau. Adieu ride, ridule, comédon, poche et cerne, t'es contente? Voilà, moi aussi je l'ai eu son geste qui compte. Non, vous Maxime, votre cadeau est parfait, force du message, légèreté de la musique, aucune faute de goût. En plus, même le grand Jacques Weber vous a écrit un texte. Tiens, bah, c'est avec lui qu'il devrait faire des petites statuettes en plâtre qu'il mettrait dans les rayons yaourt. Oh, je ne sais que choisir. Trop de cholestérol, essayez d'anacol de Danone. Comment? Attends que je repasse devant, je n'ai pas trop entendu. Trop de cholestérol, essayez d'anacol de Danone. Ah oui, merci Jacques de prendre soin de mon transit. En tout cas, voilà un vrai gadget qui serait d'utilité publique, comme votre cadeau, cher Maxime, il est d'utilité publique. Alors pour ça et pour vos 14 albums précédents, tout le public se joint à moi maintenant pour vous dire merci.